Den Parisern werden die Waffenstillstandsbedingungen durch Lautsprecherwagen bekannt gegeben. Der Franzose selbst nennt die Bedingungen hart, aber nicht unehrenhaft. Le bras rejoint l'ordre des corps à désigner et sera démobilisé et désarmé sous contrôle allemand, respectivement italien. La désignation des corps devra tenir compte des corps d'attache du temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pour ses propres besoins de guerre. Les unités françaises se trouveront dans les ports de contrôle. Exception est cependant faite pour les gardes-côtes et dragueurs de mine. Le gouvernement allemand déclare en outre solennellement et expressément qu'il ne formulera aucune revendication vis-à-vis de la flotte française lors de la conclusion de la paix. Toutes les unités de la flotte française qui se trouvent à l'extérieur, à l'exception de celles affectées au service colonial, Hier wird über die Herren Renault und Mandel diskutiert. Die Stellungnahme ist ziemlich eindeutig. Und hier erzählt man sich von der Flucht der Kriegshetzer ins Ausland.